C'est la colère qui nous envahit. Colère contre l'État d'Israël, animé par la vengeance et le désir de massacrer les peuples palestiniens. Colère contre cet État qui, depuis des années, réprime, emprisonne, tue, vole les terres palestiniennes et enferme tout un peuple dans la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Colère aussi au niveau international contre le concert des États et leur soutien indéfectible à l'État d'Israël, à son gouvernement d'extrême droite, au nom du droit à se défendre qui, dans les faits, est un droit à continuer à tuer et à continuer à coloniser les peuples palestiniens. Face à notre gouvernement, face à un président qui assure Netanyahou de tout son soutien. Colère! Face à un ministre de l'Intérieur qui prétend interdire les manifestations de solidarité avec les peuples palestiniens. Nous saluons le courage et la détermination des femmes palestiniennes à Gaza. Des femmes palestiniennes. Des femmes palestiniennes en Cisjordanie occupée. Des femmes palestiniennes qui sont prises dans les prisons israéliennes. Elles luttent toutes pour avoir le droit à vivre. Car déjà, se maintenir en vie est une résistance à un État qui cherche à les tuer et à les chasser de leurs terres.